Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui petite vidéo des 30 tranquille comme d'habitude sur Project Car. Aujourd'hui on roule en BMW M3 GT4. Et alors BMW M3 GT4, voilà c'est ça. Et on est sur Watkins Glen Court aux États-Unis. Allez, sans plus attendre, 5 tours, 19 adversaires, il n'y a pas trop de virages. On est aux États-Unis, le circuit fait 2,52 miles. Et on aurait 8 virages. Allez, on va tranquillement se faire une petite vidéo détente. Ça change un petit peu du farming. Pour moi, ça me permet de jouer un petit peu à la manette, de lâcher un peu les doigts de mon clavier. Et puis également, pour moi, de voir autre chose. Parce que ça fait toujours aussi du bien un petit peu de voir autre chose. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, par contre, moi, je ne veux pas du tout cette vue-là. Voilà, la vue arrière, c'est bien. Là ça a l'air plutôt pas mal. Ouh, elle a de la gueule en plus. C'est pas tout à fait celle qu'on avait. Alors je sais pas si on est en propulsion parce que normalement voilà, M3 c'est plutôt de la propulsion. On va voir ça tout de suite. Je suis parti en première ligne comme d'habitude. Hein, c'est c'est de la propulsion, je vous dis tout de suite. C'est départ aléatoire. Hein. Donc on va voir, j'espère que ça va pas être trop chaud. Le circuit, je ne le connais pas du tout. Voilà, j'ai pris la voiture, j'ai pris le circuit et on fait un petit peu de Project Car ensemble. Donc pour l'instant, ça a l'air de rouler plutôt pas mal. L'autre, il est pas loin. Là, une espèce de grosse chicane. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez bien le bruit de la voiture, du moteur, mais... un bruit magnifique. Allez, on va tâcher de... rattraper l'autre là, ça serait plutôt pas mal. Ils sont plutôt agressifs, je sais plus en taux de difficulté, je dois être comme les fois précédentes, 50 ou 60%. Bon, on a 5 tours hein, parce que là franchement je connais pas du tout le circuit. Là j'ai quand même freiné comme un bourrin alors qu'il aurait peut-être pas réellement fallu freiner comme un bourrin. Là j'ai a priori une meilleure relance que lui. Je vais pas me remettre derrière pour prendre l'inspiration. J'ai un air d'être mieux lancé. On est, on a passé le premier tour. Ok. J'ai à peu près vu le circuit. Puis on se fait à la régulière. C'est ici qu'on avait perdu un petit peu de temps au démarrage. Hein. C'est le problème de propulsion. Maintenant que les pneus ont commencé à être chauds. Il y a un super passage là avec une compression des suspensions. Attention au rail. Ça se rétrécit. Ouais, super circuit hein. Et franchement la voiture nickel également, très très appréciable. Hero Ties, je sais pas ça. Oula, ouais, là c'était sûr. C'est la fameuse chicane, je vais me faire engueuler. Je suis beaucoup plus à l'intérieur que lui. Et franchement ça tient le pavé hein. Oulala, on était 4 comme ça là. Magnifique. Donc, je suis un grand fan de BM. Là, mon rêve d'avoir une M3. Pour l'instant, ça n'a pas pu se faire. Oula. Ouh. Ouais, ça tient bien le pavé, hein. Même avec les conneries que je fais. Allez. Donc, je pars un petit peu moins que d'habitude, parce que c'est du farming. Comme j'ai déjà dit, il faut quand même se concentrer un petit peu plus sur ce genre de jeu-là. C'est pas toujours évident de parler, okay, de faire des courses. Allez, on est bien, on essaie de se le rattraper, celui-ci là, ce serait plutôt cool. La meute est toujours... on est au troisième tour. Hein. La meute est toujours bien compacte derrière. Ouais, ça tient pas bien, franchement là. Avec le travail des suspensions qu'il y a là. Oula. Un petit coup de trop, ça a failli faire. Une bonne distance avec notre premier poursuivant. Ouh, beau passage, presque beau passage, là j'étais un peu trop long. Mais sinon c'était plutôt pas mal l'entrée de la chicane là. Un petit coup de fin pour se remettre dans la trajectoire, même à l'intérieur de la trajectoire, et je prends un petit peu de terrain, j'ai l'impression sur ce passage là par rapport à lui. C'est peut-être qu'une impression parce qu'il est toujours toujours devant. Hein. One seconde avec le leader, a priori ce que j'ai compris. C'est pas mon grand fort en anglais. Hein. Allez, essayez de se reprendre. Ça serait pas mal qu'on arrive à le rattraper, se refaire au moins, lui toucher le pare-choc, sans lui rentrer dedans, bien évidemment.
On arrive à en faire, mais trop tard, ce serait plutôt pas mal. Donc ça, c'est un véhicule qui a l'air freiné. Hop. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de refaire mon retard, et là, bah, c'est tout perdu. Et en plus, j'ai en train de me faire doubler. Donc c'est avec lui déjà qu'il va falloir batailler, avant de batailler avec le premier. Allez, petite aspiration. On se lance, Pantera. Oh, il m'emmène avec lui, cet abruti. Et il y en a un qui profite. Oh, joli, en noir et bleu aussi. Pourquoi ils se mettent autant à l'extérieur. Moi je passe à l'intérieur et c'est quand même beaucoup plus rapide a priori parce que je me suis bien refait. Ah c'est dommage, c'est vraiment dommage. Allez là on sort limite extérieure. On est au quatrième tour. Il va falloir se réveiller si on veut faire quelque chose, c'est tout de suite ou jamais. Troisième, ça serait déjà pas si mal, je veux dire, en connaissant ni la voiture, ni le circuit. On se réconforte comme on peut. Voilà, on peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Allez, on se pousse à l'intérieur. Ouh, c'est propre, c'est beau, c'est net, c'est clair. Allez, on essaie de passer le dernier tour, hein. De se faire sur le premier. Je pense pas qu'on arrive à réellement le reprendre parce que franchement. Ah cette fois-ci un très très beau passage. Allez, reste à l'intérieur, fais comme tu fais d'habitude. Gagne un peu de terrain farming. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Oula, part en dérive complète. Aïe, 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 ça c'est très mauvais. Beaucoup trop de chemin parcouru, beaucoup trop de temps perdu. Ah, dommage, enfin en tout cas, pour un bilan, très 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 bonne voiture, très très joli circuit, très sympathique à rouler. Voilà, ma deuxième, c'est pas si mal que ça, je vais dire. On a bataillé, il y a de la bataille, c'était plutôt joli. On va retourner au centre des courses et on va se faire autre chose tranquillement. Voilà, ça se détend, je vous montre des belles voitures, je pense en tout cas. Je vous montre des circuits, je vous montre du projet car. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? Allez, donc voilà, j'étais sur la M3 GT4. Il y a la Z4, non, j'ai pas envie de me prendre. Le R8, on a déjà plus ou moins fait. Les Aston, non. Les karting, bah, ça vous avez déjà vu. Tiens, il y a, par exemple, on va se prendre des voitures un peu série. Il y avait les Renault, là. Je sais qu'il y avait les Renault. On va se faire une Renault Clio Cup, tiens. Allez, on va changer par contre le circuit, ça c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a? On a Zolder. Allez, bah écoutez, en Belgique, Zolder, parti en Renault Clio TC1. C'est parti. Donc Zolder, lieu Belgique, longueur 2,49 miles et 10 virages. Peut-être de nuit, enfin en tout cas en soirée, parce que par rapport à l'écran de présentation qu'on a, on a l'air d'être un petit peu dans la soirée. Maintenant on va voir, ça va être une conduite complètement différente, ça va être beaucoup moins rapide je pense. Là c'est de la traction, donc on va voir. Allez, c'est tip top. Regardez, c'est les... Donc je pars toujours en première ligne. Hein. Heureusement, vous me direz, parce que sinon... Et on va voir ce que ça va donner. Allez. Let's go. Plutôt bon départ. Plutôt même très bon départ. Et c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins nerveux, beaucoup moins véloce. Mais il va falloir quand même se méfier, puisque de toute façon... Oula, par contre, ça freine pas du tout. Voilà, c'est le genre de véhicule, d'accord, on a compris, qui freinait pas par rapport à la GT4, la M3 GT4. Où là, de ce côté-là, j'étais tranquille. Ça freinait quand même plutôt pas mal. Et ça tourne, ça survire un max. Ça sous-vire un max, du moins. J'espère que vous connaissez la différence entre sous-virage et survirage. Donc pour la petite leçon, le sous-virage c'est quand vous ne tournez pas assez. Et le survirage, c'est quand vous avez l'arrière qui part et qui passe à la place de l'avant. Le survirage, voilà. Trop de virages et pas assez. Bon bah écoutez, là pour l'instant on est pas mal. On tient quand même la tête, ça va être chaud. Donc là on a une espèce d'angle droit là.
Ouh là là! Bah alors dis donc, celle-là je l'avais pas vu venir. Et là ils vont tous passer. Bon, et bah écoutez, on retourne dans le trafic, on va voir ce que ça va donner. La voiture est complètement sortie, Free des Prince là. Alors déjà que c'est pas évident quand on est plus ou moins tout seul sur la piste. Alors quand il faut en plus faire attention aux autres. Non, ils m'ont pas dit que j'ai trop coupé, bon ça va. Je pensais avoir quand même plutôt bien coupé. Des sacrées chicanes. Des sacrées chicanes, et c'est plutôt parfait pour ce genre de petits véhicules là, parce que c'est vrai que quand on arrive à lancer comme des calus avec des gros véhicules. Allez, on s'en fait un tranquillement. Je vais t'attendre à l'intérieur s'il te plaît. C'est bien gentil, mais il faut quand même pas déconner. Donc c'est ce que je vous disais au niveau de l'IA, c'est quand même pas très fin fin quand vous êtes sur la trajectoire. Bah voilà, il vous pousse tout simplement. Et puis c'est pas plus compliqué que ça. Dégage-toi que je m'y mette. Hop, bah allez, pareil, je me mets à l'intérieur, hein, et là il me rentre dedans. Là avec un peu de chance il me pousse au cul. Non ça va. Quand même pas débile à ce point-là. Ah, on a les éoliennes de farming. Ils sont venus les installer également. C'est l'entreprise Ça sent le sapin, le Farming Savoyard, qui est venu faire de la place. Voilà, je rigole bien évidemment. Hop, allez, on essaie de rester sur la piste, concentré. On est 9e sur 20, hein. Bon bah grâce à cette petite sortie de piste. Ouh là là là, et puis encore on va en avoir une autre là. Ah c'est pas évident, hein. Franchement c'est peut-être moins évident avec ce bout de Clio de merde qu'avec une M3 GT4. Hein. Et là si je fais des conneries comme ça à gogo, bah, je suis pas prêt de les revoir les ozos là. Allez, on se lance. Là on en est au deuxième tour, donc on a encore un peu de marge quand même pour les rattraper. Oh putain, à chaque fois elle me balance là au niveau des suspensions, c'est pas ça. Hein. On comprend pas bien ce qui se passe. Attends, c'est quand même censé être des voitures de course. Hein. Les suspensions, ça doit être viré à plat et pas être emmerdé avec ça. Mais là, c'est absolument pas le cas. Ouais, c'est vrai. J'ai un petit peu coupé, je reconnais, je m'excuse auprès des commissaires de course. Oui, je sais, il faut pas trop couper. Sinon je vais me faire punir, je vais me faire taper sur les doigts. Aïe aïe aïe. Allez, on essaie de prendre l'aspiration. Il y a un gros virage. Allez, là on est pas mal, je trouve. On a fait un dépassement plutôt propre. L'autre, on l'a bien enrhumé. Là on se l'a fait à la colline Macrae, on coupe au plus court, limite dans le bac à gravier. Allez. Oh, faut pas déconner, je coupe pas plus que ça, hein, vous pouvez constater, c'est quand même pas non plus flagrant. Et bon, c'est comme ça, les commissaires ont décidé que j'avais coupé la piste. Donc on est au troisième tour, il va falloir y aller comme on dit. C'est chaud, hein. Franchement c'est chaud. J'ai vraiment du mal à... Il roule comme moi en fait, hein. Si je fais des conneries, bon bah voilà, reste à des courses punies, mais difficile de leur reprendre du temps en fait, c'est ça le problème. Là, au niveau des pneus, vous voyez, donc on est au vert, on est bien, et au niveau du pneu avant gauche, ça commence à... Là, un travers, ça c'est pas bon. Commence à baisser, hein, ça commence à se réduire, il y a une espèce de petit carré gris qui se forme, enfin qui voilà qui se forme, ce qui fait qu'on est en train de manger, le pneu. Allez, on essaie cette fois-ci de passer correctement. Voilà, merci, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on rattrape pas réellement du temps, hein, c'est ça le problème. Il aurait fallu faire cette chose-là un petit peu avant. Bon, c'est vrai que pour vous montrer un gameplay parfait, il aurait fallu. Il aurait fallu quand même faire au moins quelques tours sur le circuit pour être au point, savoir comment ça se passe, le comportement du véhicule, les virages ou freiner, ou etc. Bon, ouais, c'est pas le cas, hein. C'est de la détente. Moi, je me détends également tranquillement avec ça. J'espère que vous appréciez. Bon, c'est sûr que c'est des vidéos qui font forcément moins de vues que du farming. Mais bon, voilà, le but du jeu, c'est pas de faire des vues, c'est de vous divertir, de me divertir. Voilà, je vous montre un jeu de simulation, hein, c'est aussi un jeu de simulation automobile. C'est un autre type de jeu, hein, pas dans la simulation agricole. Allez, on y va.
Hein, il me dit pas que j'ai coupé. Pourtant, j'aurais dit moi que j'avais coupé. Mais bon, on va pas chercher. En tout cas, c'est plutôt un bon passage. Bah, je suis toujours 9e. Hein. Difficile de revenir. En tout cas, il y a un petit paquet là de 2 ou 3 voitures. Mais ça va pas forcément être encore très évident de... Oh là, l'autre il me part en dérive là. On sait pas pourquoi. D'un seul coup. Donc après vous me direz, il est peut-être possible aussi de régler la... le comportement du véhicule, mais je vais pas rentrer là-dedans parce que franchement, je suis pas déjà dans un premier temps un grand spécialiste de tout ça. Et puis voilà, ça prendrait du temps. Voilà, on est là tranquillement, on joue, peinard, on se prend pas la tête. Et là, elle prend un coup, elle s'énerve, elle part en dérive là, la suspension. Là, on n'arrivera pas à reprendre de terrain. Hein. A priori, ça va être chaud, compliqué. Ils sont loin. Et là, c'est la même pépite que la dernière fois. Un grand coup. Au niveau de l'arrière. Allez, on se relance. Bon bah c'est là qu'on perd du temps. Voilà. Allez, puis c'est sûr qu'ils arrivent lancés, eux. Et pas à reprendre d'élan. Donc on est 13e. 4 positions de perdu. Allez, on essaye de reprendre notre place de 9e. Allez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Pas d'auto-tamponneuse. On n'est pas sur du Next Car Game. Il faudrait que je vous refasse une petite vidéo tranquille Next Car Game, parce que moi, ça me fait bien marrer ce jeu-là, mais j'ai pas revu au niveau graphique, parce que niveau graphique, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Ah, là par contre, c'est un passage parfait. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Bon, en même temps, je bataille pas avec les premiers, donc forcément, c'est pas les meilleurs, on est d'accord. Mais voilà, sur ce village-là, on a bien vu que j'ai repris du temps. Allez, on se glisse à l'intérieur. On va glisser notre nez derrière lui, tenter de prendre l'aspiration. Et c'est le dernier tour. Ben, on va peut-être réussir à remplir notre objectif, qui est de reprendre notre 9e place. Hein. C'est quand même pas extraordinaire. Hein. Pas en dérive, c'est marrant. Hein. Un truc un petit peu bizarre, comme on dit. Mais c'est pas grave. Allez. Allez, vas-y, vire, vire, vire. Ne s'ouvre pas trop. Donc, il y a beaucoup de virages à gauche, donc c'est pour ça que le pneu avant gauche, en fait, tout simplement, ramasse. Allez. Franchement, j'ai envie de la pousser là, c'est quand même pas extraordinairement nerveux, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai décidé de prendre la petite Clio, c'est moi qui ai choisi, personne ne m'a obligé. Oh, on va pas laisser prendre le virage. Bon, c'est un dépassement non officiel et pas très beau, c'est pas très réglo, voilà, pas très réglementaire, c'est le terme que je cherchais. Allez, on se rattrape sur celui-ci. Ah, celui-ci je l'ai bien, franchement. Le premier est pas forcément évident parce qu'il y a un petit trou en fait, une petite cuvette entre les deux virages et c'est vrai que la voiture a du mal. Ou j'ai du mal. Hein. Mais le plaisir est plutôt pas mal. Allez, on essaie de prendre notre 9e place, il est là, tout juste devant. Je sais pas s'il reste. Non, il reste un gros virage, me semble-t-il. Une chicane ici. Hop, on va se glisser à l'intérieur. Laisse-moi passer. Eh oui, c'est ça. La course. Bloc et passe. On est un petit peu comme dans MXGP. C'est l'arrivée. Et ben, on a repris notre 9e place. Donc, objectif atteint, je vais dire. Allez, c'est pas si mal que ça. Bon, c'est quand même pas terrible. On est d'accord. Je suis OK avec vous, vous me direz. Mais en tout cas, voilà. J'ai encore pris un bon petit plaisir sur Project Car avec une M3 GT4. Et puis une Clio TC1, Clio RS à mon avis. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode tout simplement. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, le petit pouce bleu, le like de la page Facebook et l'abonnement pour la suite de mes aventures sur YouTube. Ciao, bye bye.